On se retrouve dans une nouvelle vidéo, je réagis. Ah, on est prêt, c'est parti. Salut la petite family, j'espère que vous allez bien. Pour ceux qui tomberaient sur cette vidéo par hasard, je me présente, je m'appelle Justine Galli, je suis influenceuse fitness spécialisée dans la nutrition sportive et l'entraînement intensif et le bien-être. Et aujourd'hui, je vais analyser la dernière vidéo du youtubeur Joan Pabs. Mais avant ça, n'oubliez pas que lorsqu'on aura atteint la barre des 700 000 abonnés sur la chaîne YouTube, vous aurez le droit à un tout nouveau programme 100% gratuit, inédit, avec des toutes nouvelles séances en temps réel ici sur la chaîne pour vous dépasser et vous transformer gratuitement. Donc si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner et à partager cette chaîne autour de toi. Alors, l'autre matin, en prenant mon café devant mon ordi, je lance toujours un petit peu YouTube, je lance des vidéos YouTube et je suis tombée sur la vidéo de Joan, intitulée « Le régime qui a détruit mon corps et ma santé ». Donc forcément, ce titre, il m'a interpellée et je me suis lancée dans la lecture de sa vidéo, qui fait à peu près une vingtaine de minutes, je crois. Petit disclaimer, tout de suite, en début de vidéo, pour ceux qui ne me connaissent pas, sachez qu'il n'y aura pas de drama, je déteste les vidéos avec lâche qui sont là pour enfoncer les gens, surtout sur des sujets aussi délicats. J'essaye que sur ma chaîne, ce soit un espace safe place, on va dire, pour parler de plein d'autres sujets de manière assez ouverte et assez bienveillante, notamment pour les personnes ou les émissions dont je vais reprendre les vidéos ou les épisodes pour faire une analyse, notamment de personnalités très connues sur internet qui vont avoir un impact donc sur leurs abonnés et leur communauté. Et vous allez voir que dans la vidéo de Joanne, il va y avoir beaucoup de choses à dire. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi, la seule chose que je vais vous demander, c'est d'être respectueux avec lui dans les commentaires. Alors, personnellement, je ne connais pas Joanne, c'est-à-dire que en tant qu'influenceuse, je ne l'ai jamais fréquentée, vu physiquement, je ne lui ai jamais parlé, mais je l'ai déjà vu passer pas mal de fois sur YouTube, notamment il y a quelques années, je l'avais découvert lorsqu'il avait fait son mariage avec Lena Situation à Las Vegas. Je crois que c'était passé dans les tendances, quelque chose comme ça. C'est un YouTuber d'1,4 million d'abonnés qui est sur la plateforme depuis 2012, donc depuis à peu près 10 ans. Son contenu, je vais pouvoir le catégoriser de lifestyle, divertissement et challenge. Il a 26 ans, voilà, c'est important pour moi de bien vous le présenter pour que vous puissiez comprendre le contexte de sa vidéo. Sa vidéo, je vous la mets également en barre d'infos si jamais vous souhaitez aller la voir. Je vais pas vous mettre d'extrait à proprement dit ici dans cette vidéo parce que je déteste encore une fois, les vidéos qui sortent des extraits de leur contexte. J'ai envie de mettre des claques aux gens qui font ça. Bref, 3, 2, 1, analysons. Donc, sa vidéo parle d'un sujet assez sensible qui est autour des troubles du comportement alimentaire. Donc, c'est une vidéo qui est assez personnelle. J'ai trouvé ça extrêmement intéressant et courageux que ce soit abordé pour une fois par un homme sur YouTube parce qu'on va pas se mentir, et il le dit très clairement lui-même, c'est beaucoup un thème qui est abordé par des femmes, soit pour des questions de pudeur chez certains hommes. Pourtant, dans le milieu de YouTube, les troubles du comportement alimentaire chez les hommes, beaucoup en sont atteints, peu en parlent. Donc, j'ai trouvé ça très intéressant qu'il le partage à sa communauté, notamment à sa communauté qui est très jeune, des ados, voire des jeunes adultes en construction. Donc on libère un petit peu la parole autour de ce type de comportement, notamment la relation qu'on a avec internet qui nous donne des modèles de diète ou d'alimentation qu'on a envie de suivre parce qu'on va vous vendre des méthodes miracles. Et quand on est jeune, il a quand même 26 ans, bah on peut vite être influencé. La première partie de sa vidéo va concerner plutôt son enfance, son rapport qu'il a eu avec son corps depuis qu'il est tout petit, la manière dont les médecins l'ont traité quand il était plus jeune, avec la fameuse courbe d'IMC hein, qui nous a clairement tous traumatisés. Et en plus de ça, il y a 10-15 ans, comment vous expliquer qu'on avait une vision très archaïque qui persiste encore aujourd'hui. L'IMC, c'est l'indice de masse corporelle. C'est un calcul qui va faire un ratio en fait entre ton rapport poids et taille. Ça permet normalement de catégoriser un individu en surpoids ou non, ou dans la courbe, la fameuse courbe. Or, l'IMC ne prend pas en compte le taux de masse grasse et le taux de masse musculaire. Certains athlètes très musclés vont avoir un poids très élevé mais très sec, mais seront considérés dans l'IMC comme en surpoids ou en obésité. Donc il a entendu qu'il était au-dessus de la courbe, peut-être avec un taux de masse grasse assez important, mais pendant toute son adolescence. Ce qui fait que, et je suis sûre que ça parlera à beaucoup d'entre vous, parce que moi ça m'a conditionné aussi de mon expérience personnelle quand j'étais petite, on se conditionne à se dire on est tout le temps trop gros, ou en surpoids, ou au-dessus de la moyenne. Et on va grandir avec cette notion qui va finalement finir par nous définir. On va se construire avec cette idée. Il est donc allé voir un spécialiste de santé, un médecin, comme il l'explique lui-même dans sa vidéo, suite bah, forcément à l'influence de ses parents, et ils lui ont instauré un régime. Il est tombé ensuite de ça dans l'anorexie et le sport à outrance, passant d'un extrême à un autre. Et il a l'honnêteté, je trouve, dans sa vidéo de parler de quelque chose de très important, touche énormément de gens, c'est qu'il était dans le déni. Dans le déni total. Je vois énormément d'abonnés de ma communauté lorsque je leur fais des retours sur la manière dont ils font leur entraînement ou leur alimentation. Bien sûr, on ne va pas attaquer quelqu'un, on essaye de lui amener des conseils bienveillants sans lui faire la morale. Il y en a beaucoup qui ne savent pas forcément donner des conseils de la bonne manière, d'internet. Et bien les gens vont toujours me répondre, non mais moi ça marche, je fais moi une petite sauce, ça me convient très bien, je sais que c'est pas ce que tu conseilles, mais je m'en fiche, moi ça marche, donc je continue. Le déni.
totale. Car oui, les troubles du comportement alimentaire, c'est beaucoup plus répandu que ce que l'on pense. C'est même un sujet relativement tabou. Même si, des fois, dès qu'on va parler d'alimentation healthy, de rééquilibrage alimentaire, beaucoup crient tout de suite aux troubles du comportement. Il faut deux poids, deux mesures quand même. Voilà. C'est pas parce que t'as des objectifs physiques et que t'adaptes ton alimentation en fonction de ton objectif, si c'est pas extrême, que t'es anorexique mental et que t'as des troubles du comportement. Voilà. Donc il a séquencé sa vidéo en plusieurs parties et après il va rentrer dans le vif du sujet, à savoir le fameux régime qui a détruit sa vie et sa santé. C'est des mots forts hein, quand même, hein, quand on a 26 ans, pour dire combien l'alimentation et le rapport qu'on a à la nourriture peut soit nous construire ou nous détruire. Donc ce fameux régime, c'est le régime keto, qui est aussi le régime cétogène. Peut-être que vous l'avez déjà vu passer chez des personnalités, chez des influenceurs, chez certains spécialistes aussi qui le recommandent. Moi je vous avais fait une vidéo à ce sujet, mais ça remonte peut-être à déjà 2-3 ans, quand c'était vraiment beaucoup plus la mode un petit peu dans le milieu du fitness. Le régime cétogène, c'est quoi pour vous la faire court? C'est un mode d'alimentation qui est basé sur la réduction des glucides, voire la suppression des glucides, des sucres, mais pas seulement des féculents, de tous les glucides, et l'augmentation de l'apport en lipides par les oléagineux, l'avocat, le saumon, etc. Et des protéines. Les lipides sont censés donc devenir la nouvelle source d'énergie du corps qui vient puiser dans les graisses, là où justement on peut tirer de l'énergie dans les sucres lents, les sucres rapides, les glucides, etc. Ça a été vanté comme la méthode radicale, la méthode magique, qui fait perdre beaucoup de poids. Et après ça entretient le fameux mythe de dire « moi je mange aucun glucide, aucun féculent, comme ça je vais maigrir vite !» Que tu comprends, on est pressé nous. Et ça a été pas mal mis en avant dans le fitness par le fait qu'en fait aux États-Unis de base, les fit girls américaines, c'est principalement des athlètes de haut niveau. Donc c'est des filles qui vont faire des compétitions, qui vont faire des diètes restrictives dans le but de leur compétition. Pas hyper sain, mais au moins c'est dans un temps donné pour un objectif donné et elles sont normalement en principe encadrées par un préparateur physique qui suit un petit peu leur santé. Pas non plus hyper bon, hein, je vous avoue. Donc c'est pas quelque chose qui est tenable à l'année. Et ce modèle-là en fait de fit girl américaine athlète ne représente pas l'alimentation de monsieur, madame, tout le monde. Et donc du coup, quand on prend exemple sur ce type de modèle-là et qu'on entend la partie cétogène, de la sèche, etc. avec des plusieurs phases en fait dans la diète alimentaire, avec le fameux rebond juste avant de monter sur scène, en fait ça peut un peu détraquer la tête de certains. Or le fitness, ça englobe pas que le culturisme, ça englobe plein de disciplines. Enfin à mon sens, ça peut être la muscu, le culturisme en compétition, le fitness en salle, les cours collectifs, les séances maison. Donc après, quand on considère qu'une fit girl c'est uniquement une athlète de haut niveau ou un fit boy, et que ce sont les plus grandes personnalités de notre milieu qui ont parfois jusqu'à 3 à 10 millions d'abonnés, bah forcément après notre analyse elle est faussée. Joanne lui il explique qu'il s'est fait happer par ce régime via une influenceuse qui partageait ses recettes sur TikTok. Sachez-le, je le rappelle, pour perdre du poids vous n'avez pas besoin de manger 1000 calories comme un enfant de 8 ans. Non ! Ni de couper tous les sucres et tous les glucides ou de faire du sport extrême 7 sur 7, 2 heures par jour. Non plus ! Vous allez avoir sur ma chaîne YouTube plusieurs vidéos qui vont vous aider si vous tombez sur cette vidéo pour enclencher une perte de poids saine, c'est-à-dire pas reprendre derrière, qui vous fera pas péter la dalle, qui sera tenable et qui va vous permettre d'atteindre des résultats durables. Vous avez la première, c'est la vidéo rééquilibrage alimentaire. Je vous les mets tout en barre d'infos, vous inquiétez pas. Qui est sortie donc la semaine dernière, 5 erreurs qui t'empêchent de progresser, ainsi que la dernière qui va parler de mon alimentation pendant ma sèche, donc comment j'ai réussi à perdre du poids en diminuant progressivement mon déficit calorique et la manière dont j'ai réparti mes macronutriments. Si vous n'êtes pas familier, au début forcément vous allez vous demander un petit peu de quoi on parle et après vous allez assimiler toutes ces notions et ça va être très important pour la suite. Le problème du régime keto, c'est qu'on supprime justement tous les sucres. Alors pas juste le sucre industriel, donc on a suppression des féculents et parfois même de certains fruits et de certains légumes qui sont considérés comme trop sucrés. Moi, à mes tout débuts, j'avais voulu faire une diète d'influenceur, genre il y a peut-être 10 ans, sur les premiers qui étaient dans le marché à l'époque qui vendaient des programmes en France, je les citerai pas, et on m'avait interdit de manger des carottes. Je vais pas faire de commentaires. En bref, on enlève tout ce qui peut apporter de l'énergie et du carburant, non seulement à la croissance musculaire, pour performer et exposer ses perfs, le bon fonctionnement de nos organes, de nos cellules, de notre cerveau, de notre système immunitaire, qui va nous permettre de ne pas être fatigué. Non seulement ça a un impact sur ta santé, mais également tu vas voir, et Joanne l'explique dans sa vidéo, tu ne seras jamais autant épuisé de ta vie que si tu fais ça. Et Dieu seul sait que la vie est déjà particulièrement épuisante et stressante pour en plus de ça être un légume. Je te rappelle, pour progresser, il faut que tu augmentes d'intensité, surcharge progressive, augmentation de l'intensification de l'entraînement pour les résultats esthétiques sur ta shape. Tu veux pas ressembler à un petit gant de toilette tout skinny fat. Et donc pour ça, tu as besoin d'énergie, tu as besoin de performer. Donc ce qui se passe, c'est que souvent ceux qui se lancent dans ce type de régime n'y connaissent rien et passent de tout à rien, absolument rien. Donc forcément ça marche parce qu'en enlevant tous les glucides, on va venir diminuer drastiquement son nombre de calories journalières. Donc on est dans un déficit extrême. Et je vous en ai vraiment encore une fois reparlé dans la vidéo 5 erreurs t'empêchent de progresser, notamment pour les personnes qui mangent comme des lapins nains. Parce que là, niveau frustration, tu seras à ton maximum. J'ai une fille sur Insta il y a 2 jours qui m'a dit « Ouais, moi je mange sur ma journée ce que tu manges le midi. » Je dis « Mais tu manges que 500 calories ?» Elle me dit « Ouais, ça fait 2 semaines. » Genre elle était super
hyper fière d'elle en plus. Je lui dis mais qui t'a obligé à faire ça? Qui t'a dit de faire ça? Je lui dis tu sais bien que ça va pas tenir, tu pètes la dalle, tu vas tenir maximum une semaine. Tu vas fondre un petit peu, tu vas taper dans tes réserves de muscles, mais tu vas pas avoir le corps que tu veux, et surtout tu vas pas l'avoir très longtemps. La problématique aussi, c'est qu'il y a beaucoup de spécialistes, parfois du milieu du fitness, parfois du milieu de la santé, parfois des stars, parfois des gros influenceurs qui ont perdu beaucoup de poids, qui vont vanter ce type de régime. Alors, comme tout régime extrême, comme je vous l'ai dit, si vous arrêtez de manger, de respirer, que vous mourrez, oui, vous allez perdre 10 kilos en un jour. Moi, j'ai envie de vivre le plus longtemps possible en bonne santé sur cette terre qui a déjà suffisamment de problèmes. À quoi ça vous servira si vous avez des abdos, moins 10 kilos, mais que demain, on vous dit qu'il vous reste 10 jours à vivre? Faut revoir un peu le sens des priorités. Là, je pars un peu dans un extrême, mais je suis sûre que vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, c'est jamais des régimes qui sont tenables à l'année. Dès le moment que vous avez quelque chose, un régime alimentaire, une diète qui n'est pas tenable à l'année, c'est que c'est trop restrictif. Ma sèche, par exemple, je ne l'ai pas fait sur 2-3 semaines ou un mois, je l'ai fait sur 3 mois et demi. Ça a été progressif. Et Johan le dit très bien dans sa vidéo, en 30 jours, il a fondu. Il a appliqué à la lettre la méthode keto et il a fait du sport tous les jours à outrance. Il le dit en anecdote, à l'époque, le coach qui le suivait à la salle de muscu lui avait déjà dit de ne pas le faire, mais borné, voilà, comme beaucoup de gens, il l'avoue au moins, il a continué. Résultat, perte de muscle, développement de TCA, et c'est ce qui lui est arrivé, la peur après de reconsommer des glucides, et souvent une reprise de poids, voire même plus conséquente que le poids qu'on avait au départ. Déjà, de base, le régime keto, il est conseillé d'être fait entre 2 et 3 semaines maximum. Et comme les gens ne sont pas forcément éduqués à la nutrition et à l'alimentation, et qui deviennent même addicts, boulimiques de résultats, ils veulent le continuer sur 6, 10, 20 semaines. Et c'est ce qui est arrivé à Johan, il l'a fait pendant plus de 10 mois. Je ne sais sincèrement pas comment il a fait. Moi, ça me choque vraiment. Ça m'a vraiment fait de la peine pour le coup, parce que je peux imaginer qu'il a dû s'imposer pendant 10 mois. C'est un petit peu aussi comme les personnes qui se lancent dans le jeûne intermittent, mais qui ne comprennent pas vraiment le concept et qui vont le faire un peu à leur sauce. Ils interprètent mal la méthode. Dans le sens, par exemple, que le jeûne intermittent, c'est un mode de vie, c'est pas un régime. L'objectif, c'est que, par exemple, si tu as 2000 calories à consommer en aliments dans ta journée, au lieu de le faire 3 à 5 repas, donc les collations sont des repas, par exemple, moi, je prends 5 repas par jour, et bien, tu vas effectuer tes 2000 calories sur une plage horaire plus courte. Certains sont mieux au niveau du confort digestif, au niveau de la fatigue, de l'énergie, et ils vont plutôt consommer leurs aliments sur une plage horaire de 7 heures, entre 12 heures et 19 heures, sur 2 ou 3 repas. Ça ne veut pas dire qu'ils ont carrément supprimé des repas. Il y a des gens qui l'interprètent comme la suppression simple d'un repas, et donc enlever des calories, retomber dans un régime ultra déficitaire en calories. Le problème aujourd'hui sur internet, et Johan en est un bel exemple, c'est qu'on a accès à absolument tout, très facilement. Tout le monde peut avoir accès à des conseils, à des entraînements de fitness à la maison, à des recettes healthy. Aujourd'hui, n'importe quel novice ou débutant peut commencer sa prise en main seul, chose qui était quasi impossible ou très compliquée à faire il y a de cela, 7-8 ans, quand moi personnellement j'ai commencé il y a 10 ans, il y avait quasiment rien. Que des américains sur YouTube, que des PDF de séances où je comprenais que chi, et je parle pas anglais, donc alors là, balèque pour ma pomme. Alors ça a ses avantages parce que ça a donné une accessibilité aux fitness absolument énorme. Ça donne la possibilité à plein de gens de se sentir mieux dans leur peau et de se reprendre en main comme je l'ai expliqué, mais ça a aussi ses dérives forcément. Parce qu'on trouve de tout et n'importe quoi et finalement on ne sait plus comment trier les informations parmi la foule de trucs que vous trouvez sur internet. Moi dans l'ensemble j'ai trouvé que la vidéo de Johan était très bien faite. C'est vraiment intéressant d'entendre le point de vue de quelqu'un qui est allé jusqu'au bout de sa démarche et qui en a subi les conséquences. Il a fait toutes les erreurs possible et il les partage avec des résultats et des informations concrètes. Malaise en sortant de la salle durant ses entraînements, tellement qu'il mangeait peu, plus de force, avec du sport 7/7, mauvaise analyse et bilan sanguin, isolation sociale, en terme ou en sèche par exemple, bah, vu que je contrôle pas mes grammages etc, on peut toujours s'adapter, prendre du poisson, du riz, des haricots, maintenant il y en a dans tous les restos, ensuite regarder un peu la carte, des salades, mais en fait c'est surtout que t'es plus tenté, donc à un moment donné, comme l'a dit Johan, on a peur de sortir, on a peur de craquer, on a peur d'être jugé parce qu'on va manger différemment des autres et on va devoir encore se justifier. Donc il y a beaucoup de personnes dans leur régime restrictif qui vont venir s'enfermer dans une bulle. Ils vont rejeter un petit peu les avis extérieurs, ils vont dire non mais moi je suis dans mon truc, ça marche, laissez-moi tranquille. Et après quand t'arrêtes le régime keto ou d'autres régimes drastiques, ou les personnes qui se nourrissent qu'avec des sous shapes ou des boissons liquides, bah tu vas reprendre beaucoup de kilos comme je l'ai expliqué juste avant. Et Johan il n'a pas été épargné par l'effet yo-yo. Allez voir sa vidéo, il a mis plusieurs photos de l'avant et de l'après. On a des carences mais on a quand même des résultats, puis après on arrête parce que c'est trop dur, donc on reprend tout, puis après on recommence, puis on repère, mais c'est pas tenable, alors on arrête et puis hop on reprend tout et on recommence et on est en régime perpétuel après toute sa vie. Si votre objectif de perte de poids il est toute l'année, c'est qu'il y a un problème. Au-delà de ça, ce que j'analyse de mon point de vue, c'est qu'il y a le contexte des influenceurs. Moi je suis dedans, donc en plus de ça, je connais un petit peu les coulisses. C'est un milieu qui est très vicieux, je vais pas vous mentir. Ça, je suis un petit peu dans mon coin. Et je sais que pour le peu d'événements que j'ai vu, le peu de gens que j'ai côtoyé, beaucoup ont un rapport très compliqué à leur image.
visage, notamment donc des influenceurs qui vont beaucoup regarder leur poids, leur visage, qui vont entamer plein de régimes mais dans le silence, qui vont faire croire à leurs abonnés qu'ils mangent très bien, qu'ils ont une vie très saine alors que pas du tout. Moi-même dans mon milieu, par exemple dans le fitness, il faudrait que le fit boy parfait, comme je vous l'ai dit, ce soit le mec ultra tanké à la limite du dopage perpétuel toute l'année, ou la fit girl ultra mince, ultra skinny, super sèche avec les abdos découpés au laser pour être légitime dans ce milieu-là. Chose pour laquelle moi j'ai toujours combattu l'idée, je suis moi-même, je fais mon sport pour moi, mes objectifs, mon corps me plaisent et me vont à moi, et je me laisserai jamais embarquer dans ces diktats-là. Et pourtant, croyez-moi, cette pression-là, je la subis depuis 10 ans, donc je la connais très très bien. Pour finir, Joanne a conclu sa vidéo sur un point très intéressant et que je vous recommande régulièrement. Si vous êtes perdu, faites appel à du coaching personnalisé, ou si vous commencez à avoir un rapport très compliqué, très malsain, même si vous voilez un peu la face au fond, vous le sentez que c'est compliqué, faites-vous aider pour des troubles du comportement alimentaire. C'est pas tabou. On peut en sortir, c'est compliqué, on le traîne parfois pendant plusieurs années, parfois pendant toute sa vie, pour réapprendre à manger progressivement, sans se mettre de pression. Parce que typiquement, quand on a été autant à fond dans la restriction alimentaire, et le sport aussi outrancier et intensif, c'est difficile hein, de se dire qu'on doit ralentir un petit peu, remanger, accepter parfois de reprendre un petit peu de poids. Il faut avoir une grande force de résilience, une grande force mentale aussi, pour arriver à prendre du recul sur tout ça. Faut poser son ego de côté, commencer à écouter les conseils, notamment sur ma chaîne YouTube, et remettre l'horloge au milieu du village. Ça fait vraiment expression de vieille ça, l'horloge au milieu du village. Bilan, quand on est mal dans sa peau, on est prêt à tout. On veut quelque chose de vite, de rapide, parce qu'on a peur de se démotiver si ça dure plus de 2 semaines. Ne vous jetez pas la pierre. Comme Joanne, moi j'ai fait aussi plein d'erreurs. C'est ce qui me permet de partager mon expérience à travers YouTube aujourd'hui. Le tout, c'est d'apprendre de ces erreurs et de ne pas les refaire perpétuellement. Il y a une petite expression que j'aime bien, c'est ne vous attendez pas à avoir des résultats différents en répétant tout le temps les mêmes erreurs. Vous pouvez avoir les résultats dont vous rêvez sans pénaliser votre santé. Ça demandera juste que vous soyez un peu patient, hein? Voilà. J'ai trouvé la vidéo de Joanne très transparente, sans langue de bois. C'est une très belle prévention auprès de sa communauté. J'ai beaucoup apprécié que ce contenu soit sur YouTube, je vais pas vous mentir. Parce que quand on est ado, en tout cas quand on fait partie de la communauté de Joanne, qui doit être un peu plus jeune que la mienne, je pense, on s'intéresse pas forcément à ce type de sujet. On mange McDo, on boit coca, on va en soirée. Et c'est bien, faut que jeunesse se fasse. Mais on a peu d'intérêt sur sa santé parce qu'on se dit de toute façon, on a le temps, les maladies, tout ça, c'est pour quand on aura 40, 50 ans. Or, le corps, moi je vais avoir 30 ans, je sens déjà que sans mon hygiène de vie, j'aurais beaucoup plus de mal à encaisser les choses et ça arrive très vite. Donc aux jeunes filles et aux mecs qui me regardent qui ont entre 15 et 25, n'attendez pas. C'est maintenant. Ça fait plaisir, putain, de voir des mecs parler de ce type de sujet, notamment des youtubeurs à grosse audience. Vraiment, j'insiste. C'est très courageux parce qu'on sait très bien qu'on va se taper des millions de critiques et qu'en plus de ça, comme c'est des sujets très personnels, faut avoir quand même un peu des couilles parce que sinon, on sait qu'on va être attaqué, qu'on peut le prendre encore plus personnellement. Si vous n'avez pas de connaissances sur l'alimentation et l'entraînement, vous avez une mine d'or, encore une fois, sur ma chaîne YouTube. Vous avez des programmes gratuits pour vous entraîner, passer des paliers progressivement qui sont très bien structurés. Vous avez beaucoup de vidéos sur l'alimentation, la diète alimentaire, des recettes. On a également créé avec Thibaut une application de fitness qui regroupe tout le lifestyle que j'essaye de vous transmettre, le style de vie. Il y a déjà 26 ou 27 programmes qui sont disponibles, tout niveau débutant, intermédiaire, confirmé. Il y a du cardio boxing, il y a du yoga, il y a du pilates, il y a du postpartum, bref, il y a énormément de disciplines. On a plus de 250 recettes healthy parfaitement équilibrées dans les macros qui permettent justement d'être reproduites sans avoir besoin de commencer à faire des calculs. On a aussi 2 plans alimentaires orientés soit perte de poids, soit prise de masse qui permettent d'organiser les recettes de l'appli en fonction d'un objectif qui vous permet déjà de ramener de l'alimentation healthy, mangez plus, mangez mieux sans se priver et faites-le déjà sur plusieurs semaines et voyez, constatez les résultats sur votre physique. Et en plus de ça, on a créé une liste de courses automatique fort pratique. Voilà, c'était le petit passage un peu plus perso, mais en vérité, je suis tellement convaincue de mon appli que je peux que vous la recommander. Bravo à Joanne encore une fois pour sa vidéo. Je souhaite du courage et de la force pour la suite parce qu'il va en avoir besoin. Pour se reconstruire après ce type d'expérience, il faut plusieurs années et on sort pas des TCA comme ça. Mais souvent, on s'en rend compte uniquement lorsqu'on est au pied du mur et qu'on confronte soit à des problèmes de santé, soit à des blessures, soit de l'anorexie. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, à donner votre avis également sur la vidéo de Joanne si jamais vous l'avez vue. Bien sûr, je compte sur vous pour rester respectueux en commentaire. Sinon, vous savez que le VBJ va passer par là. Je vois, je bloque, j'oublie. Je suis bienveillante, mais il faut pas me faire chier. Sachez pour finir que rien n'est une fatalité. On fait tous des erreurs. Ceux qui vous disent qu'ils ont une vie parfaite, qui sont des modèles de perfection, c'est des mythos. C'est grâce aux erreurs qu'on apprend. Et si vous deviez en passer par là, c'est que c'était votre chemin, c'est comme ça. Personne n'est parfait, pas même vos influenceurs favoris, pas même ceux qui ont des dizaines de millions d'abonnés. Tout le monde peut être touché par la santé mentale et les troubles du comportement alimentaire. Soyez indulgent avec vous-même, soyez stratégique pour faire les bonnes choses pour atteindre vos objectifs. Encore une fois, je vous invite vraiment à aller voir 5 raisons qui vous empêchent de progresser. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et pense à t'abonner pour les 700K sur la chaîne et le nouveau programme gratuit qui sortira. N'oubliez pas, je vous ferai participer à l'élaboration de ce programme. J'espère que vous aurez appris plein de choses. Je vous fais plein de gros bisous. Ciao, ciao.